bien le bonjour, fans de Disney. Je vous retrouve donc aujourd'hui au merveilleux village enchanté de Disney Magical World. Voilà, donc c'est la fête, hein. On voit qu'il y a des ballons comme d'habitude. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit pour la dernière vidéo, je vais vous présenter à notre ami Winnie l'ourson. Donc on va y aller sans plus tarder. Normalement, je pense que c'est possible, hein, vu qu'on l'a vu débarquer sur son petit ballon de baudruche. J'espère qu'il est là, parce que sinon, je vous ai fait un faux espoir, là. Ouais, normalement, il est là, c'est bon. Salut! Oh, il est trop chou! Tu dois te demander ce que je fais ici. C'est le vent qui m'a amené jusqu'ici. Crois-tu que tu pourrais me faire descendre? J'ai demandé à Monsieur Ballon, mais j'imagine qu'il est occupé à flotter par-ci, par-là. Oh, mince alors, ça recommence! Où vas-tu, Monsieur Ballon? Oh! Il va se perdre, le pauvre petit. Ouais. Au revoir. Voilà. Donc, on a officiellement ouvert le portail de Winnie. La petite musique d'ambiance et tout. Ouais. Regardez-moi ce petit paradis. C'est juste trop magnifique. Le petit logo. Winnie l'ourson. Oh, j'adore. Nous sommes donc dans... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la vallée ou je sais plus quoi. Oh, il y a Tigrou. Tigrou. je retrouve mes 5 ans là. Oh, salut. C'est la première fois que je te vois ici. Moi, c'est Tigrou. Ravi de te rencontrer. Oh, on rencontre enfin Tigrou, quoi. Il est trop chou. Dis-moi, tu n'aurais pas vu quelqu'un voler à l'aide d'un ballon rouge? C'est vrai? Oh, mais c'est mon ami l'ourson, Winnie. Tu sais où il est maintenant? Pas du tout. Oh, je le cherchais, mais il s'est enfui. Je me demande bien jusqu'où il va pouvoir voler. Mais il est là-haut? Oh non, le pauvre. Oh, le pauvre. Par contre, je sais pas comment on va faire pour le faire descendre. Faut peut-être qu'on trouve de l'aide ou... Comment on va faire? la bonne question, là, je sais pas trop... Y a pas quelqu'un pour m'aider? Ah, j'ai peut-être une chance d'avoir d'autres types de poissons ici. Briquet! Oh! Le petit toujours déprimé. Alors, ça t'est probablement égal, mais je m'appelle Briquet. Je l'adore. Non, faut avouer que les personnages de l'univers de Winnie sont tous vraiment trop mignons. Alors, j'essaie de suivre sa trajectoire, mais le pont a été détruit, bien sûr. J'aurais bien tenté de traverser, mais je ne sais pas nager, bien entendu. Il suffit que je mette la patte dans cette rivière pour la remporter. Ok. Comment on va faire, là? Je peux pas construire de pont? Oh, mince alors! Et pourquoi il lâche pas le ballon? Il tomberait dans l'eau ou même dans les arbres? Oh, sacré Winnie! Comment on peut faire? Ah, maître hibou. Je comprends à quel point tu veux pouvoir t'envoler vers les cieux. Si seulement tu avais de belles ailes comme les miennes. Mais alors tu pourrais voler dans les airs comme bon te semblerait. Tu vois, pour t'envoler, il faut d'abord décoller du sol. Et après... Pourquoi... Désolée de vous interrompre, mais pourriez-vous nous aider à descendre de là-haut? Oh, mince alors. Il me tue avec ses oh mince alors là. Moi je suis là en mode ok. Arrête de me parler de ta science là. Dis-moi comment le faire descendre. Allez s'il te plaît, maître hibou. Oh s'il te plaît, aide-moi. Et tu es Jordana, c'est ça? Ah, c'est donc la première fois que tu visites cette forêt. Ouais. C'est pas la forêt enchantée, je sais plus le nom de. Le nom de ce truc. N'empêche. Je le redis, mais
Ce jeu est bien fait. Enfin, je trouve la 3D est pas mauvaise. Les personnages, tu les reconnais très très bien. Enfin, je suis pas déçue. Franchement, j'aime beaucoup. Alors. Il manque plus que Maman Gourou et Petit Gourou, non? Je sais pas où elles peuvent être. Enfin, si elles sont là, je sais plus. Normalement. Ou Coco Lapin. Au choix. Ouais, Coco Lapin. Alors, mais c'est Winnie! Où le ballon t'emportera, me dis-tu? J'ai pas. Oh là, j'ai bugué là, me dis-tu? Alors, mais lâche le ballon! Je ne sais pas trop, mais je pense que ce n'est pas par ici. Oh, mais s'il te plaît, quoi! Bon, en fait, je crois que c'est pour me présenter à tous les petits personnages et après je vais pouvoir le faire descendre. Enfin, c'est ce que je pense, j'espère. Oh, Coco Lapin, il est adorable. Alors, désolé, mais je n'ai pas le temps de bavarder. Je dois trouver un moyen de faire descendre Winnie de ce ballon. Mais c'est aussi mon cas, je veux l'aider. Bon, il manque qui là? Mais je suis même pas sûre qu'il y ait Maman Gourou et Petit Gourou. Je sais pas du tout. Bon, il est parti par là. Non, non, mais il n'y a rien de ce côté. Ah, peut-être ici. Porcinet! Oh! Il me faisait tellement de la peine quand j'étais gosse. Je vais bien, Porcinet. Je suis prêt à redescendre maintenant. Ah, bah j'ai fait tout le monde. Ah non, ils n'ont pas mis Maman Gourou. Je vais l'aider, mais comment? Alors, comment on va faire pour faire descendre Winnie de cet arbre? Merci beaucoup, s'il te plaît, fais vite. Ouf, enfin sur la terre ferme. C'est amusant de voler, mais la véritable place d'un ours, c'est par terre. Je suis si content que tu sois revenu, Winnie. C'était quoi ton nom déjà? Jordana, exact. Merci de m'avoir sauvée, Jordana. Mon nom est Winnie, je suis ravie de te rencontrer. Petite cinématique, présentation Winnie. Trop adorable. J'ai envie de lui tirer les petites joues, là. Et voici mon ami Porciné. Oh, bonjour. Mais Porciné, j'ai jamais su si c'était... C'est un garçon, hein, on est d'accord. Parce que comme il était rose, petite, je pensais qu'il était... Enfin, que c'était une fille, mais c'est un garçon. Alors, son nom est Jordana. C'est Jordana qui a sauvé Winnie. Fantastigre! Pas mal trouvé, j'avoue. On dirait bien que vous êtes parti pour être amis pour la vie. Oh oui, on dirait bien, n'est-ce pas, Jordana? Vas-y, mon meilleur pote, c'est Winnie l'ourson, quoi. Je suis trop famous. Alors, c'est la première fois que tu vis... Ah, la forêt des rêves bleus, d'accord. Je crois que c'était un truc merveille. Je suis complètement gourée. Souvent, nous nous rassemblons autour de ce gros bout de bois. Ok, là aussi, il y a des quêtes à faire. Mais c'est pas le même style de quête. Là, c'est plutôt des quêtes du genre récolte du miel, récolte ça. C'est de l'agriculture, quoi, si vous voulez. Alors, voyons un peu les matériaux qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Paille dorée. Grosse bûche. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? De l'écorce, non? Ah, graines de pissenlit touffues, ouais. Alors, on peut pas encore aller de l'autre côté de la rivière, mais j'espère qu'on pourra y aller à un moment. Alors, miel. Là, il y a des petits trucs. Agrumes jaunes. Je prends les trois. On voit des voilous. Là, c'est des petits glands. Ah, j'ai raison. Je les prends tous aussi. Il y a pas mal de trucs à récolter ici, quand même. Enfin, de ce que je vois. Encore du miel. Pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté? Ouais. La paille, tout simplement. Ah, c'est là qu'on va pouvoir faire nos récoltes. Par contre, je crois que les récoltes, c'est en temps réel. Hein. Je suis pas du tout sûre, mais je crois. Alors, attendez. C'est pas possible? Non. C'est pas possible. Bon, alors, je vais voir du coup les quêtes disponibles. Du jardinage dans le champ. Ah ben voilà, on va y arriver. Ok. C'est parti.
Bonjour, quel temps magnifique! Je faisais juste un peu de jardinage. Ah, il n'y a rien de mieux. C'est fascinant de voir de petites graines devenir de beaux légumes. Tu aimerais essayer? Tu peux utiliser ce petit morceau de mon jardin. Tiens, ce sont les graines idéales pour les débutants. Si tu plantes des graines, tu les arroses, tu les auras très vite. D'accord. Bon, là, je pense, oui, je vais vous expliquer de toute façon. Le tuto n'est pas très utile. Au pire, si vous voulez lire, vous faites pause. Voilà. Donc les graines, on peut les acheter chez Picsou. Allez, c'est parti. Go, go, go. Le champ est disponible. Oh, trop bien, ils m'ont offert l'arrosoir. Alors. J'ai pas mal de graines, j'ai un peu pendant... Ouais, je vais prendre tous, un petit peu. Là, je vais mettre... Alors, c'était quoi qui m'avait donné? Mini les tomates. Ah, c'était ça. 3 secondes. Ok, là je vais mettre... Non, 3 minutes je veux dire plutôt. Oh, un lys, tiens, vas-y. Et on va mettre un dernier. Mini tomates. Ça peut être utile pour nos... Pour nos, comment dire, nos petits plats au café. Voilà. Et après, là... On n'a plus qu'à attendre 3 minutes. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que Winnie va nous raconter? J'ai entendu dire que tu faisais pousser des légumes dans le jardin de Coco Lapin. Il est très doué pour faire pousser les légumes, tu sais. Ouais. Allez, il nous reste combien de temps? 60 minutes. Ah oui, non, d'accord. C'est 60 minutes, c'est le temps que dure l'eau. D'accord. Ok, bon, je sais pas du tout ce qu'on va faire en attendant. Je sais pas. Là, c'est le terrier de Coco Lapin. On peut apercevoir ces... Oh, des petits meubles à l'intérieur. Trop mignon. Maintenant, on attend. Ouais. Je peux pas aller par là, non. Aujourd'hui, réunion. D'accord. Ah, ça commence à pousser, regardez. Ça va plus trop tarder. Non, franchement, c'est super mignon. Là, c'est la maison de porcinet. Défense d'un, il manque le reste de la phrase. Oh, regardez, j'adore le petit volet qui est à moitié. Oh, c'est trop chou. Oui, j'ai arrosé. Voilà, plus que 2 minutes. Bon, allez, je vais couper et puis je vous retrouve dès que c'est planté. Alors voilà, normalement, si je comprends bien, hein, on peut récolter vu que ça brille. Voilà. On a fait une récolte dans le champ. Ouais! Je suis trop forte. Ah, c'est super mignon quand même. Hein. Donc voilà, les autres, on a le temps. Hein. Oh, dis donc, regardez-moi ça. Je sens l'amour que tu donnes à tes légumes. Si tu trouves d'autres graines, plante-les ici. Bah, c'est déjà fait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire pousser d'autres. Ouais. J'ai fini une quête de Winnie. Oui. Comment faire du miel? Ah, ça je peux le faire. De précieux outils. Monsieur pot de miel. Ok. Ça a déjà rajouté des ingrédients? Mon Dieu, mais c'est super rapide. Alors, comment faire du miel? Ça peut être utile. Alors, les yeux de Winnie sont fixés sur son ventre. On va voir ce qu'il est en train de faire. Fais pousser la graine de fleur de miel spéciale et parle à Coco Lapin. Ok. On va encore faire devoir du jardinage. Tu sais, mon ventre gargouille. Le mien aussi. Je crois qu'il est en train d'essayer de me dire quelque chose. Comme quoi? Mon ventre aimerait beaucoup manger quelque chose en particulier, quelque chose de sucré. Tu veux dire du miel? Oui, mais pas n'importe lequel. Mon ventre aimerait juste une goutte de miel différent pour changer. Un différent type de miel, je ne pense pas en avoir. Moi non plus, même pas juste une goutte. Comment tu veux que je fasse du miel? Alors attends. Qu'on m'explique. Alors, les abeilles viendront butiner en un rien de temps. Ah ouais, d'accord. Elles en feront du miel et le garderont dans les arbres de la forêt. Et hop, un nouveau type de miel. C'est pas con. Bonne idée, ça serait bien. Mais Winnie, est-ce que tu sais comment faire pousser des fleurs? Je ne crois pas.
Je suis très douée pour faire la sieste en face des fleurs, par contre. Je sais! Laissons les professionnels faire pousser des fleurs. Bon bah, ça va être mon tour, hein. Professionnel, mais... J'ai commencé il y a 5 minutes. Non mais sérieux, oh. Je suis la boniche. Alors, pourrais-tu faire pousser des fleurs? Bon, vas-y. Je sais que petit Winnie, il a faim. Que moi aussi, j'ai faim. Par contre, le truc, c'est qu'il y a vraiment un petit peu trop de dialogue à mon goût. Enfin, il pourrait... Enfin, voilà. Alors, une ruche se trouvant dans un arbre, amassera du miel. Au fur et à mesure, tu peux obtenir une mesure de miel à chaque journée. Ok. D'accord. Prends bien soin d'elle pour qu'elle puisse nous donner plus. Ok, dis-moi quand elles auront fleuri, d'accord? Ça marche. Oh, j'ai vraiment hâte. Alors, on va faire pousser les graines de fleurs. Alors, non, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Alors. Miel spécial, ok. Est-ce que je peux... Ouais, je peux re-arroser. C'est pas trop mal. Oh, c'est déjà prêt les mini tomates. Super. Bon, bon, je vais mettre autre chose à la place. Hein. Graines de blé. Pissenlit touffu. Non, attendez. Je vais plutôt mettre ça. Parce que ça peut être utile pour mes recettes. Pour être tranquille, voilà. Ça marche. Bon. Du coup, maintenant, j'ai plus grand-chose à faire. Attends, mais ils ont déjà réapprovisionné les... C'est ouf, quoi. Ça va super vite. En 5 minutes, vous avez déjà des nouveaux ingrédients, quoi. Même pas. Ouais, 5 minutes. Ah, marguerite. Bien. Il n'y a plus de miel, par contre. Non, je crois que c'est juste les trucs principaux par terre. Ok. Voilà, voilà. Donc, ça va prendre combien de temps? 10 minutes? Bon, je pense qu'on va attendre la prochaine vidéo pour continuer les petites quêtes de Winnie l'ourson. Donc là, on a passé un petit peu moins de 20 minutes dans la forêt des rêves bleus. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette rencontre avec Winnie vous aura plu. Hein. On a pu rencontrer tout l'univers de Winnie, donc Tigrou, Coco Lapin, Porcinet... Bourriquet, tout ça, tout ça. Voilà, moi je suis super contente parce que j'adore ce petit monde. Hein. Je regardais ça petite, j'étais totalement gaga. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On continuera de faire les récoltes la prochaine fois. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux.